Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Payday 2, donc un petit tuto, une petite astuce. Donc j'ai repris le jeu donc j'ai repris le jeu hier. Donc du coup j'ai trouvé une nouvelle astuce comment monter rapidement en niveau pour vite monter en niveau d'infamie et aussi en argent. Donc je vais vous montrer ça. Donc il faut aller sur crime.net. Donc je viens de terminer les braquages. Donc en fait il faut faire des braquages en série crime. Donc c'est juste ici sur la gauche. Si jamais la série de crime n'est pas sur le côté, le menu, faut essayer d'en trouver un dans les recherches comme ça là. Tomber dessus en fait comme ça, tac, c'est en jaune, écrit en jaune. Quand c'est fait, ben, vous lancez un petit braquage. Donc moi j'en ai fait plusieurs. Donc je fais comme si je lançais la partie en fait, c'est vraiment. Et en fait qu'est-ce que c'est ce mode là? C'est donc le jeu vous propose trois braquages et qui vont vous rapporter des points. Et les points ça vous permet de gagner des récompenses. Donc moi par exemple là je suis en série crime niveau 54 en série crime et je peux gagner 1 200 000 XP, 24 millions d'argent, pièce continentale 24 et 12 objets aléatoires. Donc les objets aléatoires c'est des cartes comme à la fin de chaque partie, sauf que là j'en avoir 12 d'un coup. Donc on va récupérer nos récompenses ensemble et vous allez voir tout ce que je vais gagner, sachant que je peux aller plus haut, mais j'ai décidé de m'arrêter là parce que plus vous allez monter en niveau c'est en niveau de sidecrime, plus vous allez avoir de modificateurs. Donc ça veut dire que par exemple les ennemis vont faire plus de dégâts, etc. En fait vous allez avoir des trucs plus difficiles. Donc voilà, donc du coup on va réclamer la récompense. Donc êtes-vous sûr de réclamer la récompense? Oui. Donc vous allez voir tout ce que je vais gagner. Donc plus d'1 million d'XP, donc on va voir je vais passer niveau combien. Donc je passe niveau 66. Tac. En liquide, j'ai gagné 14 millions d'un coup. 40 et plus de. Je sais pas combien sur le compte offshore, j'ai 60 millions, je sais pas si ça s'est accumulé avec les autres trucs. Et donc là voilà les cartes. On a vu j'ai tout d'un coup. Donc voilà, dès l'argent. Donc ça c'est vraiment bien. Donc je vous conseille vraiment de jouer que en ce mode là, c'est ce qui vous permet de monter rapidement en niveau. Et en argent, c'est ce qui rapporte le plus en vrai. Si vous pouvez le faire en équipe de 4 c'est le mieux. Moi j'ai fait en équipe de 4, donc du coup on a réussi au moins je sais pas combien de braquages. Et puis il faut savoir aussi que je vais vous montrer ça, que ben chaque série de chaque braquage en fait vous rapporte des points. Par exemple la pièce de sûreté vous rapporte plus 12 points et il y a un petit chrono à côté, ça vous met le temps en fait. Donc ça met plus de temps à faire que le braquage indécis qui vous rapporte plus 4. Donc lui il est plus rapide et plus facile aussi. Du coup voilà. Donc voilà, c'était la petite astuce, petit tuto. Donc pour ceux qui sont peut-être débutants sur le jeu, etc. Moi j'ai découvert ça il y a quoi? Il y a. Bah hier quand j'ai repris le jeu, j'ai découvert ça. Donc voilà. Voilà, sur ce les gars, n'hésitez pas à liker si ça vous a aidé. Commentez, partagez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.